Mais en même temps, vu la forme. La forme de, pardon. Ta forme, c'est normal, quoi. Qu'est-ce qu'elle a, la forme? J'ai fait deux fois ton. Ok, d'accord. Bon, on va enchaîner. Salut Habib, tu peux te présenter en quelques mots? Salut Habib Maïga, joueur du FC Metz, international ivoirien. T'as quel âge? 24 ans. Ah, tu veux pas en dire plus quoi? Vous voulez savoir quoi encore? Bah, tu fais ton timide là? Non, je suis pas timide. Non, t'as pas envie d'être là quoi? Baissier. Ah, quand même. Par contre, t'aurais peut-être pu faire un effort. Avec la quête, c'est moyen quoi. Là, je trouve qu'il fait chaud. Hein. Ouais. Dans le journal L'Équipe, tu as déclaré vouloir faire mieux que l'année dernière. Oui. Avec un but et une passe décisive. Ce serait quoi faire mieux pour toi? Deux passes décisives? Non, c'est plus deux passes. Faut minimum 5. Minimum 5? Ouais. Tu sais que t'as pas le niveau pour faire 5 passes décisives. Ben si. On va pas se mentir. Si, je suis convaincu. Moi, je te vois jouer. Non, je suis convaincu. T'es sûr? 5? Ouais, ouais. Mais sur 5 ans? Non, sur une saison. Imagine-toi que t'es en charge du recrutement au FC Metz. Oui. Quel joueur tu ferais partir? Il va y avoir du règlement de compte, là, je le sens. Ah, c'est sûr. Diallo. Diallo? Ouais. C'est pas gentil, ça. Il t'a fait un truc? Non. Non? Il t'a piqué ton dessert? Un truc ah, comme mais ça, non. C'est mon pote, mais c'est bien qu'il parte. D'accord. Je suis fatigué de voir sa tronche. Sympa l'ambiance ici, quand même. Avec Marc-Aurèle Caillard, tu es le joueur le plus lourd de ton équipe. 80 kilos ou même peut-être un peu plus, parce que je vois que tu as bien mangé à midi. Tu penses que c'est pour ça que ton rendement est assez moyen? Non, je pense pas. 80 kilos en muscle, pas en masse grasse, quoi. Ouais. Voilà. En masse grasse, je 80 suis entre 6 et 7. Bah, si, moi, je suis à 6,5, donc tu vois. Ça te fait rire. C'est horrible pour moi que tu rigoles. Non, en même temps, vu la forme. La forme de, pardon. Ta forme, c'est normal, quoi. Qu'est-ce qu'elle a, la forme? J'ai fait deux fois ton. Ok, d'accord. Bon, on va enchaîner. Sur le site Transfermarkt, ta cote est à 2,8 millions d'euros. Ouais. Est-ce que tu penses que t'es pas un peu surcoté? Surcoté? Ouais. Mais non. Moi, je pensais que t'étais à 500 000 euros. Non, je pense que je mérite mieux, même. Ah oui, carrément. Ouais, je pense. Vous avez un melon ici, quand même, c'est incroyable. Non, c'est mon ressenti. Ah oui, c'est mon ressenti, ouais. Ouais. Vous avez terminé 15e du dernier championnat. Est-ce que ça te paraît complètement irréalisable de viser cette année la 14e place? 14e, déjà, c'est bien pour vous. La 5e place, peut-être. 5e? Ben oui. Tu joues à Metz, t'es au courant? Ouais, je sais. Alors. Voilà. Ouais, justement. J'ai peur de te faire de la peine, mais je pensais que t'avais compris, en fait, en venant ici. Non, tout est possible. C'est ça. Si tu pouvais choisir ton club dans les 5 grands championnats européens, ouais. Tu irais dans quel club? Chelsea. Oui, moi je parle d'un club en rapport avec ton niveau. Ouais, c'est Chelsea. T'es sûr? Sûr, ouais, sûr. Brighton, non? Mieux? Non, Chelsea. Brighton? Non, non, non. Faut viser haut. Brighton? Non, Chelsea. Wigan? Chelsea. Ok. Bon, c'est juste que j'ai peur que tu sois déçu. Non, tu sais, moi je t'aime bien. Tu vois, s'il n'y avait pas le Covid, moi, je te prendrais dans bien. Mes bras. Tu vois, mais... À l'AS Saint-Etienne, tu as joué avec Stéphane Ruffier. Ouais. Tu as joué aussi contre lui, avec le FCMS. Ouais. Est-ce que tu as réussi à entrer en contact avec lui, à lui parler? Quelle langue il parle? Quel dialecte il peut utiliser? Il parle le français. C'est vrai? Ouais, on a parlé. Ouais. Il y a des sons qui sortent de sa bouche. Il y a... Bien sûr. Vraiment. Moi, quand je le vois comme ça, il me fait. Ben non, il fait pas peur. D'accord. Il est juste. Je trouve qu'il est un peu solitaire. S'il t'a fait quelque chose, tu peux me le dire. Hein. Non, il m'a rien fait. Il est gentil. Tu préfères l'AS Saint-Etienne ou le FC Metz? Le FC Metz. Ah oui, direct quoi. Ben oui. T'as été formé à Saint-Etienne. Je sais. Et t'en as plus rien à foutre quoi. Je préfère le FC Metz. D'accord. Ouais, t'as pas envie de te faire siffler tous les week-ends quoi, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Mais non. Bon. Tu préfères jouer toute ta carrière le maintien avec le FC Metz ou gagner une Coupe de France avec Strasbourg? Toute ma carrière avec le FC Metz. Non, je te crois pas. Si. Non. Si. Arrête, Habib. Bien sûr. Non. Tu veux pas gagner la Coupe de France? Bien sûr, avec le FC Metz. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, le FC Metz, non. Mais si. Cinquième, non. Et la Coupe de France, non. Si Strasbourg a gagné la Coupe de France, c'est que le FC Metz peut aussi. Ouais. Ok, ça se tient. Demain, t'arrêtes le foot, tu fais quoi? Me lancer peut-être comme entraîneur. Comme entraîneur? Ouais. Tu penses pas qu'il faudrait avoir plus de notions de foot que ce que tu as là en ce moment? Ouais, je veux apprendre. Ouais, c'était mieux que tu apprennes avant de devenir joueur pro, tu vois. Tu joues à Metz, donc un club avec une histoire, une ferveur incroyable. Oui. Et tu me dis oui en plus. Tu sais que c'est faux. Avec un public, comme partout en France, et des chants de supporters. Oui. Est-ce que tu me vois venir? Pas trop. Moi aussi. Sha la 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 la. Oh, eh.
FC Metz. C'est bon? C'est presque bien. J'étais pas à fond, là. T'étais pas à fond? J'étais pas à fond. Comme sur le terrain, quoi. T'étais vraiment à fond. Merci, Habib. Merci beaucoup.